cadre a un petit peu changé. Je suis toujours dans ma chambre, sauf que je ne peux plus filmer là où j'ai filmé avant. Et la lumière est bizarre parce que le soleil passe devant, derrière les nuages. Donc ça change un petit peu au fil des secondes. Je suis désolée. On se retrouve aujourd'hui pour vous filmer une vidéo tag. Donc c'est le tag contradiction qui tourne pas mal en ce moment sur YouTube et que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'avais envie de le faire. C'est un tag en 11 questions, donc ça va aller assez vite. Première question, le truc que tout le monde aime sauf moi. Donc moi ça va être le masque capillaire de chez Aussi. Donc le 3 minutes miracle. Concrètement il m'alourdit les cheveux, il les défrise. Il me les graisse, j'aime plus l'odeur, elle m'écœure maintenant. J'essaye même plus de l'essayer, enfin j'essaye plus de l'essayer, c'est pas français, mais j'essaye même plus de m'en servir parce qu'à chaque fois je suis déçue. Deuxième question, le truc que personne n'aime sauf moi, je sais pas, je vois pas de truc là tout de suite maintenant. Non, je vois pas de truc, du moins pas de truc en niveau maquillage. 3, le truc que je n'utilise jamais mais que je ne peux me résoudre à jeter. Ah si, j'ai une petite palette de gloss Hello Kitty, je la trouve trop mignonne mais juste que je m'en sers pas parce que j'aime pas les gloss. En soi c'est un petit peu débile mais c'est pas grave. 4, mon rouge à lèvres flash préféré et mon rouge à lèvres nude préféré. Mon rouge à lèvres flash préféré, je pense que c'est le Ririou, un rouge mat de chez MAC. Concrètement je pense que c'est lui. Et mon rouge à lèvres nude, j'en ai pas des masses. Je dirais le lip butter de chez Revlon. Crème brûlée je crois, ouais c'est ça, crème brûlée. 5, je sais que c'est mal mais je me démaquille jamais, genre quand je reviens d'une soirée ou quand je rentre un peu tard ou ouais. En fait le week-end je me démaquille pas souvent, enfin sauf si on sort pas le vendredi ou le samedi, mais en général je me démaquille pas trop au week-end. Je sais que c'est pas très très bon mais j'ai la flemme. 6, je devrais peut-être faire plus de gommage parce que j'en fais un de temps en temps quand j'y pense et quand j'ai 3 minutes à accorder à ça. Et pourtant je pense que ça pourrait faire du bien à la peau, autant à celle de mon visage qu'à celle de mon corps. Donc voilà, ça serait peut-être une résolution à prendre de m'en servir plus souvent, je sais pas. Ah non, un autre truc aussi, ouais je triche un peu, mais je devrais peut-être vraiment trouver quelque chose pour mes ongles parce que vous verrez pas là, vous êtes trop loin, mais... ils sont courts et quand je les laisse pousser ils se cassent tout le temps parce que je les ai rongés pendant très longtemps. Et donc voilà, je veux trouver quelque chose qui marche. Bref, 7, le truc que j'ai testé avant mais que maintenant j'adore. Mes cheveux frisés, avant je les lissais tout le temps. Et pas un seul jour où je sortais les cheveux lisses et les cheveux frisés pardon. Et maintenant j'aime bien les avoir frisés aussi. Là je les ai coupés donc ils frisaient un peu moins bien et au final ils vont un petit peu reposer donc ils frisent beaucoup mieux depuis. 8, le truc qui me plaît sur les autres mais pas sur moi. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Non, il n'y a rien que... ouais, il n'y a rien qui me plaît sur les autres qui me plaît sur moi. C'est beaucoup de répétitions de cette phrase là mais je vois pas là tout de suite maintenant. Donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose. 9, le truc qui ne me ressemble vraiment pas mais que j'adore. Genre porter du rose flashy sur les yeux, je trouve ça trop joli et avec une couleur un peu sombre et tout ça passe carrément et j'étais un garçon manqué avant et je détestais le rose et maintenant je mets du rose flashy sur les yeux, genre tout va bien et donc je pense que c'est ça que le truc qui me ressemble vraiment pas en fait et que je fais quand même et j'adore faire. 10, j'en ai beaucoup trop mais c'est plus fort que moi. Concrètement les vernis à ongles je dois en avoir quelque chose comme 50, un truc comme ça. Et j'en achète tout le temps parce que dès que j'en vois un, je suis genre, oh, il est trop beau, il m'appelle, il me veut. Et voilà, j'en achète tout le temps, mais faudrait peut-être que je me calme un petit peu sur les derniers mots. 11, le truc avec lequel j'ai une relation amour-haine, et je dirais que c'est encore mes cheveux. Une fois je les veux courts, une fois je les veux longs. Quand je les ai courts, je les veux longs. Quand je les ai longs, je les veux courts. Je les veux rouges, puis je les veux blonds, puis je les veux blabla, blabla. Je les aime trop quand je les ai faits, et au final. 2 semaines plus tard ça m'énerve donc je pense que c'est un peu ça donc j'ai une relation amour-haine. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je tag personne en particulier. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, ciao.